Et bonjour, bonjour. Alors, il s'est passé une terrible catastrophe juste avant. J'ai enregistré ma vidéo et je me suis rendu compte que j'avais pas activé ni mon micro ni le son du PC. Du coup, c'était un beau quart d'heure dans le fion. Voilà, c'est dit. On commence cette magnifique deuxième tier list de couleurs. Normalement, j'ai tout vérifié, tout fonctionne bien et c'est quelque chose que j'aurais dû vérifier avant de faire la vidéo. Donc, j'ai reset, du coup je sais plus ce que j'ai mis dans quoi ou comment. Du coup, on va refaire ça normalement, dans les conditions du direct. On va faire comme si c'était rien passé avant. Et de toute façon, il ne s'est rien passé avant, vu que rien n'est public et que de toute façon, seule la vidéo est sur mon PC. Et que même si on la regarde, de toute façon, on n'entend rien parce qu'il n'y a rien d'activé. Voilà. Du coup, on est parti pour la gestion des couleurs. La deuxième tier list, la tier list des couleurs du 2 décembre, du coup. On remercie encore une fois Papa Biggie et toutes les personnes qui ont contribué à ce choix de deuxième tier list. Sachez que je les découvre au jour le jour et que certaines seront faites en live et d'autres non, comme celle-ci aujourd'hui vu que je ne vais pas streamer ce soir. Ce soir 2 décembre, je ne stream pas, enfin c'est pas prévu, enfin peut-être, enfin bref, de toute façon il faut que ce soit sorti pour 18h30. Voilà, donc faut que je me dépêche quand même, hein, parce qu'il y a un petit peu de montage à faire, là, enfin vite fait. Et vous savez, ici on est dans l'artisanat. Le plaisir, la générosité, la simplicité. Très important, la simplicité. Du coup, on est parti. On commence avec l'azur. L'azur. C'est plutôt pas mal. C'est pas mal. Baby blue, c'est moche, c'est triste, ça n'a aucun intérêt. Pink, pareil, le pink est d'une tristesse infinie. Alors, j'aime le rose, mais voilà, par exemple, le hot pink, vous voyez, alors, attendez. Et on va même faire le plaisir de ne pas le faire dans l'ordre, ok? Hot pink, tu vois, hot pink, c'est solide. Ça, c'est 100% valide. Bien sûr, on voit bien que azur et hot pink, ça va ensemble. Et c'est ce qu'on aime. Beige, pas terrible. Beige, je suis désolé, c'est un peu la tristesse. Black, black, 100%, 100% validé, black. Vous savez, quand j'étais plus jeune, à chaque fois que je faisais un dessin, je mettais un fond noir et je mettais des couleurs pétantes dessus. Et... En fait, le noir, ça permet aussi de faire ressortir la beauté des gens, tu vois. Et la beauté des choses, tu vois. Tu mets un fond noir et tu mets n'importe quelle couleur dessus, bah la couleur, elle sera belle. Le noir, il sert à porter la vérité, tu vois. Moi, j'aime bien le noir, en l'occurrence. En plus, on a un peu dans mon logo. Quand il n'est pas en PNG, je mets un fond noir derrière parce que du coup, le jaune ressort plus. Et du coup, on aime le noir. Bleu, 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 c'est bien, c'est simple, mais c'est pas plus. Brasse, couleur curry, c'est pas terrible. Marron, un marron, c'est pas mal. Marron, ça va, franchement, c'est... En fait, je trouve ça... J'aime bien quand les couleurs, elles renvoient un peu d'éclat, de joie, en fait. Tu vois, quand tu vois la couleur, tu te dis, putain, je suis content, je suis heureux de l'avoir, cette couleur. Tu vois que quand tu vois un beige, je fais, ah, bah... Ouais, bah, elle pue la merde, ta vie, tu vois. Il y a deux poids, deux mesures, en fait. Hein. Faut bien choisir. Faut bien choisir. Tu vois, Carmine, c'est bien. Carmine, tu vois ça, t'es content. Céruléane, c'est un très beau bleu. D'ailleurs, à mes souvenirs de la vidéo d'avant, je crois que j'avais mis Céruléane à la place d'Azur. Parce que je trouve que le bleu, il est un peu plus chargé. Chartreuse, c'est pas mal. C'est un jaune. Je sais pas, j'ai l'impression que ça tire un peu sur le vert, mais. Enfin, je sais pas. Du jaune, pas dégueu. Cocoa, cacao, la couleur triste. Hein. Tiens, d'ailleurs, je vais faire comme la première vidéo, je vais reprendre un chocolat. Parce que cocoa, cacao. Mais cette fois, je vais en prendre un violet au lait. C'est ce que j'ai le plus. On remercie bien sûr ma mère en stream qui m'a généreusement offert ces chocolats. Et que je défonce à une cadence assez élevée. Surtout ces petits-là. Moi, je préfère les petits comme ça que les tablettes. Tablette, c'est chiant. Faut l'ouvrir, faut découper. Faut ranger. Ressortir. Ouvrir. Découper. Ranger. Et tu commences ça tout le temps. Que là, tu prends, tu ouvres et tu manges. Et c'est fini. Simple, basique. Corail, c'est moche. Crime, c'est moche. Comme ça, c'est pas mal. Là, on a refait le drapeau de la Roumanie. Et je suis toujours pas sûr que ce soit le drapeau de la Roumanie. Je vais laisser ça aux puristes fans de drapeaux. N'hésitez pas à mettre ça en commentaire, évidemment.
Cyan, c'est très joli, Cyan. C'est un bleu qui porte. Dark Grey, non. Par contre, Grey, oui. Moi, je préfère le gris étincelant de base, plutôt que les ténébreuses, le ténébreux gris, et voire même, je crois qu'il y a un light gray quelque part, voilà, même le light gray... En fait, tu vois, c'est la balance qui penche soit du côté démoniaque, soit du côté angélique, tu vois. Mais des fois, faut savoir rester neutre dans ce combat, parce que des fois, la pureté, elle n'est pas totalement pure, et le négationnisme, il n'est pas forcément négationné, tu vois. Enfin, tu vois, c'est... Des fois, ne pas choisir de camp, c'est choisir un camp, tu vois. Donc la neutralité, c'est une position. Forest. Forest, ouais, j'aime bien. C'est un vert joli. Gold, bon, bah, gold, c'est goldé, franchement. Est-ce qu'il y a débat là-dessus? Je ne pense pas. Gold, c'est goldé, c'est logique. Hein. Si c'est une expression, c'est pas pour rien. Le green tout court, c'est validé. Hein. C'est validé en B. Purple. J'avais une joueuse qui s'appelait Purple. Bon, on lui fait des bisous. Peut-être qu'un jour elle repassera. Jade, c'est moche. Enfin, je parle de la couleur, hein. le prénom ça va, c'est pas trop déconnant. Kaki, c'est caca. Lavande. Lavande, c'est pas mal non plus, hein. On a un petit peu relâchement sur le violet, là, ça. Puis la lavande, c'est les fleurs, c'est... sent bon. Enfin, après ton passage aux toilettes, tu mets un coup de lavande et tu vois, tout est masqué, quoi. Ça on aime. Lilac, c'est non. Lime, c'est oui. Ouais, c'est solide, lime. Enfin, je le voyais un peu plus vert. Ouais, j'ai l'impression qu'il tourne un peu plus sur le jaune. Bon, what? Swat! Magenta... Ouais. Ouais. Ça va. Maroon... Ouais. C'est pas fou. C'est trop bordeaux, c'est trop foncé. Je préfère un carmine un peu plus éclatant, mais qui tire un peu sur les ténèbres. J'aime bien. Je préfère. Mauve, c'est moche. Mint, c'est pas fou. Après, ça rappelle la menthe, tout ça. Je sais bien, la glace à la menthe, c'est une bonne idée, quoi. Mais en couleur, comme ça, non, c'est moche. Navy Blue, ouais, Navy Blue, j'aime bien. Ça pète, en fait, c'est un beau bleu. Hein. C'est un beau bleu, Navy Blue. Allez, vas-y, je le mets même au-dessus. On va rendre au A... Les couleurs qui devraient être en A, finalement. Olive, j'aime pas les olives. Orange... Ouais, alors orange, enfin, je sais pas, je trouve qu'il ressort pas bien, là. Tu vois, par rapport à un tawny. Et par rapport à un vermilion. Enfin, ouais, tu vois, c'est un peu mon classement des oranges, quoi. Tu vois, je veux vermilion en premier, tawny. Après, tawny, ça tient un peu sur le marron, aussi. Hein. Mais l'orange, il fait terne, hein. Terrible. Après, moi, je fais confiance aux couleurs qui sont affichées plus qu'au texte. Hein. Pêche, c'est triste. Periwinkle. Alors, Periwinkle, c'est la bonne surprise de ce stream. Hein. Je le mets en A. Periwinkle, je sais pas pourquoi. Cette couleur, j'aime. C'est un bleu, blanc, gris, là. Je sais pas. Je trouve que ça fait un peu neige fraîche. Ouais, je sais pas. Je trouve que ça pète. Plume, c'est joli, hein. Putain, on a beaucoup de violet en B, quand même. Ouais, plume, c'est pas mal. Red, c'est... Ouais. Je pense qu'on peut le mettre en classique A, quand même. C'est quand même une couleur forte. Rose, c'est moyen. C'est pas moche. Royal blue, c'est moyen. Salmon, c'est un peu moche, quand même. Sky blue, c'est pas dégueu. Par contre, slat... un peu plus. Spring. Le moyen fan, Spring. Tan, pareil, pas fan. Teal, c'est un peu mieux quand même. Hein.
Terracotta. De toute façon, je referai un check-up avant de valider le tableau final. Hein. Mais ouais, Terracotta. Ouais, il mérite quand même pas sa place ici. Terracotta moyen. Kaki, c'est vraiment de la merde, quoi. Turquoise, ouais, c'est bien. Moi, je préfère un cyan quand même pour le coup. Violet, bah, on va mettre là, violet. Par contre, je vais monter purple. Ouais, purple, violet, normalement, c'est censé être la même chose, non? Je sais pas. Viridian. Ouais, ça va, c'est pas déconnant, Viridian. White, c'est solide. En fait, c'est un peu... Bizarrement, c'est un peu pareil que comme le noir. C'est que n'importe quelle couleur, on va avec le blanc, en fait. Mais il faut pas que ce soit trop flashy. Là où un fond noir, il faut que ce soit flashy avec. Donc, chacun a leurs avantages. Et ce sont tous les deux des bonnes couleurs, finalement. Elles sont utilisées dans beaucoup d'endroits, c'est pas pour rien. Tu vois, même sur cet écran, de toute façon, il y a le noir et le blanc ici. Voilà, c'est valide, quoi. Et le jaune, meilleure couleur du monde. De toute façon, personne ne peut le nier. Je pense que, de toute façon, dans votre tête... Enfin, c'est normal hein, que votre couleur préférée, ce soit le jaune. Et si c'est pas le cas, vous pouvez mettre un commentaire dans la vidéo. Il n'y a pas de souci. Hein, moi, je suis ouvert au débat. Par contre, si votre commentaire disparaît, je pense que ce sera à cause du bot YouTube. Donc, bah, je m'excuse d'avance, mais c'est pas sous mon contrôle. Voilà, désolé. Alors, on va refaire vite fait un check-up. Parce qu'en D, j'ai mis que kaki. Alors que tout à l'heure, je crois que j'avais mis plus de couleurs avant. Qu'est-ce qu'on va mettre dedans? Ouais, non, en fait... Ouais. Oh, le pink, là, il est moche, hein, quand même. On va le mettre là. Bah, après, ouais, ça, c'est des couleurs pas folles. Ouais, c'est pas les pires, mais bon... Ça va, quoi. Beige, il fait triste, hein. Mais beige, c'est beige quand même. Bah, tu vois, autant mettre une crème, quoi, tu vois. Crème, c'est plus solide. Puis là, ça me paraît pas trop mal, hein. Bah, je pense qu'on va laisser comme ça. Ouais, ça me paraît pas trop dégueu. Bah, kaki, c'est vraiment moche comme couleur. Hein. Bah, jamais. Pink, le pink, alors c'est plus la couleur affichée que le rose. Hein. De toute façon, le rose, je l'ai mis là. Donc, c'est que ça va. Et beige, ouais, je sais pas, il fait pas rêver, ça fait un peu un gris vomi, ça fait pas rêver, quoi. Puis le jaune d'archivalité. Bon, bah voilà, on va clôturer cette magnifique tier list. On se retrouve du coup demain pour une nouvelle tier list. Alors sachez que je découvre les tier list au jour le jour, donc je ne sais pas quel sera le sujet de demain. En tout cas, n'hésitez pas à laisser des commentaires ou à passer sur le Discord pour donner votre avis. Je vous fais plein de bisous et à la prochaine. Les bisous.